Bon, bah c'est la première vidéo que je tourne après qu'on ait atteint les 50 000 abonnés. Donc là, évidemment, je vous remercie, mais c'est pas un message de remerciement, ça sera plus tard. C'est pas une vidéo spéciale, ça sera plus tard. Pour l'instant, j'essaie de rattraper mon retard que j'ai pris hier avec les vidéos. Comme d'hab, les gars, merci énormément pour tout, merci de l'aventure. Et j'aurai le temps de m'expliquer sur plein de choses à venir. Il y aura des petites choses que vous allez, je pense, beaucoup apprécier. Mais voilà, c'est la première vidéo que je tourne après ça, donc merci à vous. J'essaye tant bien que mal de rattraper le retard de la match d'hier qui honnêtement m'a détruit ma semaine en termes de planning. Donc je galère comme un fou et je suis mort de chez mort. Mais j'essaye de rattraper tout ça les gars pour vous. Merci, 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 merci. Mais voilà, je le sais, y a pas de souci. Merci pour vos messages, c'est adorable. Et bon, ça va pas changer foncièrement grand chose. Je veux dire, le but c'est de continuer ce que je fais le plus longtemps possible. Et de ce que je suis plus fier, ma régularité, ce que j'essaye de garder en faisant cette vidéo. Merci à vous les gars et bon visionnage. Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. On va, ça y est, rentrer un petit peu plus, petit à petit, plus les jours avancent, dans l'optimisation de ce Goku et des tout nouveaux personnages de ça, de Gohan, de Beerus et de Boo. Les gars, ce Goku, on va en faire quelque chose d'assez incroyable déjà. Premièrement, je l'ai Arboost. Déjà, c'est la première des choses. Donc, on a l'Arboost fait sur le Goku, donc 13 000 de stats supplémentaires. Donc ça, c'est parfait et ça nous permet de le jouer sous 5 caps Zenkai. On va aller jouer Goku Arboost sous 5 caps Zenkai. Il est toujours 6 étoiles. Ça, encore une fois, ça sera, je sais pas encore ce que je fais exactement de mes PZ. Il faut que j'y réfléchisse, mais honnêtement, évidemment, derrière, à 6 étoiles, ça lui fait déjà des stats quand même relativement correctes. Hein. On va avoisiner les 240 000, enfin 235 000, 237 d'attaque et 165 de défense. Si on met tout ça à 14 étoiles, c'est pas un perso qui a des stats de fou, si on est honnête, mais ça va. Honnêtement, ça peut faire le taf. Alors, le perso, les gars, il a un nombre de 4 Zenkai, c'est hallucinant. Hein. Vert Famille Goku, vert Saiyan plutôt ici, et 3 vers Saga des Films. Donc le perso sous 5 caps Zenkai. On a pu mettre aussi des items sympas, notamment l'item Time Rush, l'item ici plutôt du Legends Ranking, et le double item pur pour le perso Movie, Family Goku, tout ça. Donc honnêtement les gars, franchement c'est parfait. C'est parfait. Le perso il a double attaque pure strike, une ligne flat avec ça. Honnêtement, je pense que ça va être dingue. Full vert, VS, full rouge. Alors, on aura en plus de ça les cartes vertes générées par Broly et le support de Gohan Revive. Et les gars, vraiment, je le mets au max. Ok. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On peut déjà open safe et on est parti. La fête au village, c'est parti. On a l'anti-cover. On va aller chercher la jauge. Sans doute. Ok, là on va mettre la strike avec l'anti-cover, donc on va repiocher une carte derrière. Je rappelle qu'en face c'est aussi sous full cap Zenkai. Hein. Et je vais mettre. Oh là 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 là. Bah ça on peut pas. Bien joué. Plutôt bien joué là-dessus. Hein. Ok, on va mettre Gohan, réduction de ki. Je suis sûr que c'est pas si mauvais ce qu'on joue. Alors là, ce qu'il va falloir, c'est essayer de se défausser de ces specs qui vont nous embêter quand même. Ok, on met Goku. Là, je pense qu'il va essayer une ouverte dans l'objectif. Un gameplay effrayant. Un gameplay effrayant. Ok. Tout une manière de jouer, j'ai envie de vous dire. Ok. Bon, ça joue uniquement avec la carte verte de Végéto. Après, il a raison de jouer comme ça. Ouais. Si on a minimum honnête, ça se comprend. Ok. La mort de Ball, c'est parfait parce qu'il va me détruire les cartes. Honnêtement, ça m'arrangeait pas du tout de les avoir. Bon bah j'ai envie de vous dire, on n'a plus qu'à open safe et aller gagner la game. Même si assez le revive, il faut faire gaffe parce que on va open safe et on va pas le prendre sur le combo. Pour l'instant, Goku il tapait très très fort.
Attention, mine de rien, parce que Vegetobu, il a fait un taf incroyable. Ça va tenter de rising. Même pas. Ok, ça c'est cool. Ça c'est très cool pour nous. Attention les gars, on fait un move de travers et ici on perd la game. Putain, il tape tellement fort Godko à 6 étoiles là. Ah vraiment, il attendait que ça. Hein. Il attendait que ça. Je savais qu'il allait verte. Je me suis dit, il va pas avoir le timing parfait pour la mettre. Ah, t'inquiète pas. Ok, ça c'est cool. Pour les dégâts qu'il met. Oh là là. Récupère la TP. Et qu'est-ce qu'il est fort ce Godku. Qu'est-ce qu'il est fort ce Godku les gars. Regardez, regardez le taf. On va récupérer les dégâts là. Attends, tout faire tout seul. Rising. Bon, sachez que là en face, les gars, ça va viser 100%, 100% le tackle, hein, je pense. Hein. Oh là 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 là. Ah là, c'est terrible. Bon, bah là, il a gagné. Bah là, il a gagné. Bien joué à lui. Bien joué à lui. On a plus la survie là. Il a plus qu'à terminer ça. Bon, bah là, vraiment dommage, les gars. Oh, le compte du Rising Rush. C'est pénible. C'est pénible. Bon, il tue pas là, par contre. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Que veux-tu que je fasse finalement? Contre de Rising qui a plié la game. Gogeta Blue 14 étoiles. Aïe. Et même Gohan Beast 13 étoiles. Sacré team. Face à notre pauvre petit Goku 6 étoiles qui fait son taf. Vous remarquerez les gars que Gohan il est 7 étoiles. Ça veut dire que il lui a mis les PC d'Ultra en face. Allez! C'est parti, destruction de la carte verte. Pas gentil ça. Et surprise, il y en a une autre. Surprise, il y en a une autre. Ok, carré, ça me va. Oh, l'anti-cut de qui, vous avez vu là? Il était super fort. Ok, on va pas blast, il est 14 étoiles. Il est 14 étoiles, oui, d'ailleurs. Je le note comme ça, mais oui, il est 14 étoiles, enfin. C'est ultra énervé hein, de faire ça à 14 étoiles. Oh, yoyoy. Eh, mais Godku, laisse les autres jouer un peu. Ouais, on tuera pas. Malheureusement, ici, on tuera pas. J'aurais bien aimé, mais... Ouais, non, c'est 14 étoiles, c'est n'importe quoi le tag. Hein. Le tag à 14 étoiles, en fait, t'as juste à te faire taper et tu vas... Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, 14 étoiles, il est intuable, le perso. Et là, full life. Ouais, bah alors là, ça va être dur. Hein. Bah, Rising Rush, là. Clairement, Rising Rush, hein, faut avancer dans la game. Hein. Et Broly vert, avec son item... Ça base bien. Bah après lui c'est pareil, il a des caps Zenkai forcément donc mine de rien il est un petit peu optimisé. Le fait qu'il génère des vertus sur Goku c'est bien. Là on prend la survie à Gohan, évidemment que c'est bien. Mais après bon les caps Zenkai c'est bien mais tu peux pas combler non plus 49 étoiles. Forcément hein. Forcément sur ça tu peux souffrir.
Honnêtement, on va rester sur le terrain là. Hein. On va rester sur le terrain avec Goku. Hein. Oh, c'est très bien tanké ça. Ok. En vrai, c'est, il est bon, tu vois, Gogeta 14 étoiles, mais c'est pas non plus injouable. Hein. Oh, vas-y, il a que des blasts. Normalement, stop, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Évidemment, il a que des blasts. Il a que des blasts dans la main, donc forcément, c'est beaucoup plus facile derrière quand t'as une cover strike. Il a que des blasts, le perso. Ok. Gogeta Blue qui était aux articles de la mort. Quel perso, les gars. Le perso, c'est soigné full life avec la transfo. Vraiment, ça, c'est dingue. C'est dingue comme méca, quand même. Oh, waouh! On a pris une fessée. Le fameux duo de l'horreur. J'appelle ça le duo de l'horreur. Migategwan. Là, le fait que ce soit 5 étoiles, par contre, ça va faire... Je pense que va falloir, comme d'hab, faire tout ce qu'il faut pour pas prendre les jauges. Par contre... Si on arrive à avoir quelques timings, on va faire trop mal. Bon les gars, je voulais vous dire aussi quelque chose, on a passé les 50 000 abonnés hier soir. J'en parle pas plus que ça parce qu'il y aura pas grand chose, on va parler ça tout de suite. En tout cas, il y aura des choses mais pas tout de suite. Donc vous inquiétez pas les gars, ça va venir petit à petit. Mais j'attends juste d'avoir du temps pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, déjà de 1. Et même sans ça, d'avoir du temps tout court. Ça serait pas mal. Sortir les vidéos qu'il faut et vous inquiétez pas. Je pense qu'il y aura pas mal de vidéos en fait. Il y aura pas mal de choses donc... J'ai envie de vous dire hâte que ça soit là et merci évidemment, c'est dingue. Ça y est, on s'est fait attraper. Ah, Migati nous fait mal. Hein. Oh là 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 là. C'est bien sympa avec tout ton charabia, toi. Tu vas rester tranquille. Tu vas rester tranquille. Oh lolo lolo lolo. Oh lolo lolo. Ta 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 ta. Ok, bien. En bas. Il va me détruire tout ce que j'ai en main. Il va me détruire ma verte et ma spé. C'est assez fort dans la méta détruire les vertes en vrai, mine de rien. On se rend pas compte des fois. Et ça, c'est une méca qui est genre vraiment forte à l'heure actuelle. Ok. Volontairement, on prend que ça sur le revive, les gars. Ça, c'est la bonne strat à avoir. Oh, Goku est dans la place. Ok, un petit cover ici, on y va. Et le perso avec la réduction du coup des arts, vitesse de pioche plus 2, le perso il tape. Hein. Oh là là, regardez la gueule de sa team. Il en reste plus grand chose. On va voir. Je sais pas si le mec s'en rappelle. On a un anti-open safe, les gars. Mais est-ce qu'il va s'en servir? Ah, vas-y. Sinon, si on prend une spé contre. C'est la PLS. Oh là là. Je t'aime, toi! Broly qui va tuer. Bon. Je pense que c'était peut-être le meilleur scénario possible, ça. En toute honnêteté, je pense que c'était peut-être le meilleur scénario possible de lui proc la jauge comme ça. Sur le revive. On va pouvoir revenir, on va pouvoir mettre la carte verte. Juste ce qui va être chiant, c'est que je pense qu'il va...
Il va main, donc nous lock notre main à nous. Donc ouais, ça c'est chiant. Ouais, c'est ça. Et là, regardez la main horrible que j'ai derrière pour gérer ça. Ah, mais God Ku est trop fort. Anti-cut de qui ? God Ku vient de rendre une situation on ne peut plus délicate et vous la connaissez. Gohan, dernier en vie, la jauge, lock de main, tout va mal. T'as la carte verte, top and safe, la jauge, anti-cut de qui ? Donc le cut de qui de Gohan ne fonctionne pas, speed distance et tu gagnes la game. Merci God Ku et merci aussi Gohan Violet d'exister pour montrer à Gohan, à ce foutu Gohan Ultra, que la vie n'est pas si belle. Par contre, ça reste l'Ultra qui est sorti en avril. Calmons-nous pour l'Ultra qui aura dans un mois. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est plutôt une team de Pride, hein, ce qui joue en face. Alors, soit il s'est trompé de team, je sais pas. C'est pas pour me déranger, hein. Il y a un violet en face, c'est Migaté violet. Il y a pire. Allez, c'est parti. L'horrible Gogeta 4, et en plus on a un bon matchup. Par contre, je pense qu'il a vraiment l'impression d'être en Pride, le gars, je sais pas, mais... Ah, voilà ça. Regardez les gars, mes vertes. J'avais trop de vertes. C'est terrible. Je te déteste en face. Je te déteste. Où sont passées mes cartes vertes, salaud? Par contre, la team, elle tank bien quand même. Hein. On a touché, donc là, on a les 5 secondes d'anti-cover. Oh là 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 là. Oh, les dégâts, oh. Fait pas un mauvais clash. Ouh, l'aspect, elle va faire mal là. Oh, je reconnais. Oh oui. Oh là là. Alors là, ouais, voilà, voilà. Voilà. On va break. Ah, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Plus d'anti-cover ici, plus de jauge. Et derrière Gogeta 4, c'est la double cover. Donc, c'est vraiment... Oh, le Rising. Il vient d'où son Rising? Oh, frérot, il m'a mis 3 cartes dans la game. Ok. Soit. Pourquoi pas. C'est donc ça le bonheur. Ok. Là, on va voir l'anti-cover, anti-cut de qui? Trop fort, trop fort. Et le tag ici qui aura encore une fois eu un cut de qui n'aura servi à rien. Pff, 3 millions, allez, salut. N'empêche que là, je suis en train de penser, mais moi et lui, on a tous les deux un anti-open safe. Alors lui, il en a pas besoin. Enfin, moi, j'en ai pas besoin plutôt. Lui, il en a besoin. C'est quoi ces dégâts? Bien joué. Après, il faut s'en servir, les gars, comme pour recover, en fait. Hein. Ah, ça, c'est chiant. Ah, vous avez vu, ça, c'est chiant. T'as pas vidé la jauge, t'as pas anti-cover. Oh là 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 là, récupération de TP. Oh, mais moi, ce Goku, je le trouve vraiment pas mal, hein. Les ricains, ils ont dit ouais, c'est level super Vegeta, je sais pas quoi, mais oh là là, vas-y, les ricains et les japonais. Ou je... Après, faut savoir jouer au jeu aussi. Hein. Ça me fait rire en plus parce qu'il joue de manière passive à DB Legends, donc ça qui m'étonne plus, quoi. Qui m'étonne le plus, je crois. Il joue de manière passive au jeu. Le perso, c'est bah, il est un peu plutôt bien fait pour ça. Bah, c'est étonnant, madame. Allez, go.
Ok, mais moi non, franchement, le perso fait encore une fois un taf de fou. Oh bro, l'hiver, il est intestable, hein. Oh bro, l'hiver, le mur! Du temps de récupérer sa TP, les gars? Oh. Ok. Ah, il tente aussi des alliés. Vitesse de pioche plus 2. Ouais. Oh là 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 là, mais. Trop fort. Non, je le jure que Goku, c'est vraiment un bon perso. Hein. Ne vous le faire passer pour un perso de merde, mais. Alors, c'est pas. C'est clairement pas du calibre Gohan, il faut se l'avouer, mais. Ah non, le perso, vraiment, c'est. Je sais pas comment. Pourquoi il dit ça en fait? Il suffit qu'il y ait un ricain qui dise. Un youtubeur ricain qui dise. Mouais, le perso, merde, il est pas au même niveau et du coup, il est nul. C'est pas parce que t'es pas top 1 que t'es nul. Très fort ce Goku. Oh là là, famille Goku, il y a Gohan, il m'effraie, Gohan, il m'effraie. Je me suis dit peut-être que on va pas le croiser dans le showcase. J'ai un peu de chance. Aïe aïe aïe. C'est parti, c'est parti. Oh là là, ça j'aime. Ça j'aime beaucoup. Ça je vous dis, ça voilà, ça c'est fort. Ça c'est fort. Non, c'est vraiment. L'horrible Gohan. Tiens, là, je vais donc là, on peut se barrer. Ok. Carte verte anti-cover pour son Gohan violet. Et c'est surtout ses dégâts de fou malade. Complètement timbré ce perso. Complètement secoué. Arrête-toi là. Non mais vraiment c'est grave, mais c'est grave, mais c'est... T'es mal le combo de malade mental. Mais Gohan arrête! C'est bon, c'est chiant là. Je le jure, c'est vraiment chiant. Et toi, t'as encore ta jauge? Oh là là. Oh les Gohan, on en peut plus hein. Oh les Gohan, on en peut plus hein, c'est bon. Vu qu'on veut rien, on peut rien dire aux joueurs de Gohan parce que les joueurs de Gohan ils disent ouais mais bon Gohan là tu comprends ça fait longtemps j'aimerais avoir un Gohan machin, un Gohan machin. Ils ont des Gohan tous les 3 jours. On va dire les termes, ils ont des Gohan tous les 3 jours, ils nous emmerdent avec leur Gohan cheaté à chaque fois là, c'est insupportable. À chaque fois qu'un Gohan il sort c'est le meilleur personnage du jeu, c'est insupportable. Carrément parce que même Gohan Revive qu'un Revive il était trop fort, c'est fatigant les Gohan. Gohan Beast, on va voir Gohan Beast Ultra, après on va voir Gohan SCJ2, je sais pas, de Bojack, on va... Vas-y, c'est bon. Oh les dégâts. Non par contre il est vraiment fort. Quoi, on a plus anti-cover? Mais les gars je venais de prendre mon anti-cover. Il s'est passé quoi? Il m'a enlevé mon anti-cover quand même. Oh là là. On en est là maintenant. Je vais pas vous mentir. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour vous faire des fables, des balivernes. Je suis pas là pour vous mentir. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. La couleur est en train de monter. Non mais oui, mais bien sûr. Oui, non mais vu qu'en fait t'as... Vu que t'as aspect garanti, voilà quoi. On a compris. Perso. Quel personnage Gohan, Goku. Quel perso de fou. Genre quel perso de fou.
Non, c'est incroyable la récupération de TP, ce qu'il est capable de faire, même à contre-type à des moments, c'est. Ah, c'est grave. Il va avoir une verte, les gars, qui va générer son esquive. Et voilà, c'est plié. C'est plié! Il s'arrêtera jamais. On se demande ce qui va l'arrêter. Les fans de Gohan ici, on vous déteste. Allez, qui dit 20? On a croisé un seul Gohan ultime, il nous a détruit la team. Un seul. Ça devrait être un peu plus simple ici, on va dire. Un peu plus simple, je sais pas si c'est le terme, mais... C'est absolument pas ce que j'ai voulu faire, mais vu que le jeu veut pas switch, ça me bat. Shin? Non, même pas, ok. Ok, Broly qui prend le cut de kill. Ok, ça a l'air de jouer en face, les gars. Ça a l'air de jouer en face, ça va se concentrer un petit peu. Ça a l'air de jouer. Même si j'aime beaucoup les deux verts là qui viennent tanker très très bien son tag. Il y a Goku, hein. Donc attention. Alors, ça, on se demande à quoi il lui sert. Et il a raison de setup le tag s'il le peut. Il a totalement raison. On va voir comment il nous embête dans l'autre sens. Par contre, la team, comme elle tank, c'est une dinguerie. Oh, putain, l'attaque fond de map. Ok, grand strike fond de map sans pas de côté, rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui passe pour l'instant. Putain, mais ça joue en face, hein. Et ça rigole zéro en face, hein. Ok. Voilà. Là, on a l'anti-cover. Et oui, c'est pour ça que j'avais pas eu l'anti-cover tout à l'heure. Parce qu'il fallait toucher, je pense. Je pense que c'était pour ça que mon anti-cover n'a pas proc tout à l'heure. T'as détruit les cartes là. Ok, va falloir arrêter d'attaquer. Parce que bon, bah là, forcément, évidemment, si on attaque vraiment, je jure, on va se faire perfect à chaque fois. Parce qu'en face, bah. Voilà, vous avez compris où je veux en venir. Vous avez compris. On va dire qu'à midrange, ou même en temps normal, ça va pas forcément chercher à aller faire la diff. Donc, à nous de la faire. Mais on va le faire, tranquille. On va s'adapter au gameplay. Bien joué, ça. Rien à dire, bien joué. Ok. Quoi ces dégâts? Va Rising Rush ici? Je vous avais dit. Tranquille. En vrai, il a la jauge, mais il a plus de Rising Rush, donc. Quand même curieux de voir ce qu'il va faire. C'est dommage. Après, il a un anti un peu safe, les gars, Goku. Donc, c'est pas parce que t'as un peu safe dans la main que tu vas t'en sortir. Oh,
Oh, tu mens, oh, tu mens, oh, tu mens, oh, tu mens! Il avait un open save cap. Oh. Il m'a fait que de perfect toute la game! Oh là 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 là.